d'ailleurs étaient ou non les auteurs des photos. C'est bon ? Désolé. Donc, on a un peu réfléchi également avec Fabienne à ce que ces photos ne montraient pas, pour enfin réfléchir un peu à ce qu'on pouvait dire d'une comparaison de photos de ce corpus qu'on va vous présenter, d'autres photos collectées également par le CHT ou présentées dans des ouvrages un peu plus, un peu plus connus, notamment par des auteurs considérés comme ayant marqué l'histoire de la photographie sociale. On va présenter cet exposé va s'organiser en 3-4 moments. Le premier moment portera sur quelques remarques générales sur les photos retenues. Première remarque, on va faire relativement bref, mais c'est de façon à ce que vous ayez une idée relativement précise des caractéristiques un peu de ce corpus. Première remarque, comme l'a dit Xavier tout à l'heure, il va de soi que dans l'ensemble des photos collectées à l'occasion de cette campagne, l'activité de travail est moins représentée que l'activité militante, à une exception près, celle de Patrice Alain, donc, qui travaille dans l'entreprise Mingui, qui à la fois a photographié son local syndical, des manifestations, mais également quelques photos, où d'ailleurs il se fait prendre en photo au travail. Celle-ci figurait dans l'article de West France que Xavier nous a présenté tout à l'heure. Donc, à l'exception de Patrice Alain, on ne trouve jamais de dépôt qui intègre les deux catégories. Alors on peut tout de suite se poser une question, à quoi ça tient? Est-ce que c'est à la façon dont le CHT est perçu par les gens qui sont allés vers cette structure? Est-ce que c'est perçu davantage comme un lieu de mémoire du syndicalisme que comme un lieu d'histoire du travail? À la difficulté peut-être de se photographier au travail, en tout cas la lecture du livre de Xavier Nerrière et puis des discussions avec lui, et ce qu'il disait tout à l'heure d'ailleurs, confirme que le nombre de photos portant sur les lieux de travail est relativement limité dans l'ensemble des fonds conservés par le CHT. Deuxième remarque sur ces photos, le fait que pour moitié des photos portant sur les lieux de travail, celles-ci ont été déposées par des femmes. Et ces femmes, manifestement, ont souhaité, à travers ce dépôt, laisser au CHT quelques clichés de l'histoire professionnelle de leurs proches. Un mari, un beau-père, un arrière-grand-père. Et, sans doute à la demande des personnels du CHT, j'imagine de Xavier, ces photos ont fait l'objet d'une légende qui permet d'identifier ces personnes, la situation, pas systématiquement la date ni le lieu, mais en tout cas de donner des éléments qui permettent de mieux approcher ces photos. Mais, dans tous les cas, de ces femmes venues déposer des photos, celles-ci n'ont pas souhaité faire d'entretien, considérant soit qu'elles n'étaient pas les auteurs des photos, soit qu'elles en savaient trop peu sur les protagonistes de ces photos, même si c'était des proches, et en particulier du travail de ces personnes dans les entreprises. Et donc, pour une partie de ces images, ça a été une partie de notre travail, on en est réduit à des hypothèses de lecture, au fond, sur la manière dont ces photos ont été prises, ce qu'elles montrent ou suggèrent, ce qu'elles dissimulent. Une autre partie des photos qu'on va vous présenter ont été prises par des hommes, qui là se sont montrés beaucoup plus loquaces, ont accepté les entretiens, encore une fois, pas toujours pour parler photographie, mais parfois quand même un peu, et qui ont mis davantage l'accent, c'est le cas des photos de M. Chedin par exemple, sur l'aspect technique du travail. Et ce qui distingue sans doute les photos des hommes des photos des femmes dans ce corpus, c'est le fait que les photos des femmes, encore une fois, portent sur une période plus ancienne, alors que les photos des hommes donc relatent des situations de travail, et notamment leur dimension technique, dans une période plus récente, en gros à partir des années 50-60. Troisième remarque sur l'ensemble de ces photos sur lesquelles nous avons travaillé, qui sont au nombre de 130 ou quelque chose comme ça, Xavier a donné le chiffre tout à l'heure. Troisième élément, ces photos portent principalement sur les secteurs de la construction navale, de la métallurgie, du BTP, bref, des grosses entreprises, comme si la mémoire ouvrière locale était associée à l'histoire des grosses entreprises et pas des petites. Sauf erreur, de notre part, toutes les entreprises concernées ont plus de 10 salariés. C'est sans doute un des effets du mode de collecte que Xavier Nerrière tout à l'heure a indiqué, mais ça me semblait important de préciser qu'on ne trouvera pas dans ce corpus de photographies de situations de travail relevant des entreprises artisanales.
même le miroitier, pour anticiper sur la suite, même le miroitier relève d'une entreprise relativement conséquente. Quatrièmement, et là encore pour reprendre un point évoqué par Xavier Nérière tout à l'heure dans sa présentation, quatrièmement, la question de l'auteur des photos dans ce corpus ne peut pratiquement, quasiment jamais être tranchée. Assurément, une partie de ces photos sont des photos de commande, sont des photos d'entreprise, avec des photographes qui maîtrisent le cadrage, qui maîtrisent la technique photographique, notamment dans le cadre de la photo de groupe, mais pas exclusivement, quand une partie des autres photos l'ont été, sans doute, par des copains de boulot, vu l'ambiance qui semble régner au moment de la prise de vue. Mais on peut faire l'hypothèse également qu'une partie de ces photos ont été faites par des photographes locaux, qui ne sont pas des photographes d'entreprise, qui sont venus faire des photos sur le lieu de travail. Alors, dans le livre signé par Xavier, là, sur les images du travail, il y a la figure de François Bonneau, un facteur à la fois ouvrier puis facteur, et qui était bien connu des gens de son coin, si je puis dire, et qui aimait aller prendre en photo et qui avait l'air plutôt bien accepté de ces personnes. Et puis j'ai pensé à une autre situation, et là je me tourne vers Sylvain Maresca qui avait donné un peu de visibilité à cette affaire. Yvonne Kerdudeau dans le Trégor, le vélo de Madame Yvonne, pour ceux qui ici avaient eu l'occasion de voir un peu ces plaques qui ont été. À qui un travail a donné une nouvelle jeunesse il y a quelques années. Bref, ce qu'il faut retenir ici dans ce dernier point, c'est que la question de l'auteur de la photo n'a jamais été décisive dans le choix de ceux qui ont déposé des documents pour illustrer le travail. D'une certaine manière, ils ont joué avec le cadre que Xavier a présenté tout à l'heure en relisant le texte qui avait été mis en ligne sur le blog du CHT. Voilà pour présenter rapidement le cadre des photos de ce corpus. On en vient maintenant, mais peut-être je vais te laisser la parole. Oui, c'est plus simple. On va permuter par conséquent. Donc, comme Marc l'a dit précédemment, on a tenté en tout cas, de répondre à la question qu'est-ce qui ressort principalement de ces photos, donc qu'on a sélectionnées aussi. Hein, voilà. Donc, c'est un petit échantillon. Hein, voilà. Donc la première chose qu'on a repérée, c'est la question de la représentation de l'entreprise comme institution. Hein. Donc, en fin de compte, là, on vous propose de commencer par un ensemble de photographies qui représentent plutôt le personnel. Hein. Alors, cette idée de l'entreprise comme institution, elle est illustrée par la présence de photos de groupe qui rassemblent alors une partie ou l'ensemble des travailleurs. Et comme le disait à l'instant Marc, c'est aussi, on peut supposer, hein, pour une partie d'entre elles en tout cas, que ce sont des photos qui ont été commandées hein, par l'entreprise. Alors celle-ci, c'est une photographie du personnel des ACB, voilà. Donc alors j'ai tenté de faire des interprétations. Hein. Donc une photo de groupe devant un bâtiment. Donc, plutôt un personnel en costume. Hein. Alors, est-ce que c'est pour une occasion particulière? On repère des chapeaux, hein, soit sur la tête, soit tenus. Hein. Plutôt, j'allais dire, un groupe souriant. Voilà. Hein. Voilà, c'est institutionnel, mais en même temps, il y a quand même pas mal de sourires. Deuxième cliché, donc un groupe un petit peu plus restreint, toujours en costume et cravate. Là encore, alors nous avons essayé de voir un petit peu des différences. Alors j'évoquais les chapeaux, là il y a un peu plus de casquettes, hein, un petit peu plus de béret aussi. Donc on n'a peut-être pas affaire au même personnel non plus, hein, d'où peut-être cette restriction.
Et puis, la différence avec la précédente, c'est aussi la mise en scène. C'est-à-dire qu'ici, alors on ne sait pas qui est le photographe, hein, bien entendu, mais on sent quand même une volonté par rapport à la précédente, hein, de voir un peu la tête de tout le monde quand même, hein, ce qui n'était pas le cas précédemment. C'est-à-dire, bon, le premier rang est accroupi, voilà, deuxième rang, et puis le dernier, il est même un petit peu surélevé, hein. Groupe sur lequel on peut voir aussi toujours des sourires, hein, on rit, alors j'ai mis on fume, on se tient par l'épaule, hein, donc j'allais dire une situation peut-être un peu plus de décontraction, hein, voilà, pour ce groupe en tout cas. Troisième photographie toujours de groupe, donc ici le personnel de l'entreprise Blouin, la miroiterie dont parlait Marc tout à l'heure, donc autour de 1941-42. Hein. Alors là, ce qu'on peut en dire, c'est que c'est peut-être une photographie qui organise un peu plus, enfin qui s'organise un peu plus peut-être autour de la hiérarchie. Hein. Donc avec assis au premier rang, bah plutôt, j'allais dire, un personnel en costume, cravate, suivi hein, du personnel administratif féminin. Alors quand on regarde de très très près, on voit que pour certaines de ces femmes, j'allais dire, c'est un vêtement civil, j'exagère en disant ça, hein, par rapport aux autres qui, elles, sont en blouse. Hein, voilà, donc il y a aussi peut-être quelque part... un peu l'uniforme quoi hein, nécessaire et puis enfin la présence plutôt des employés et salariés où on repère quand même quelques costumes donc chemise, pantalon, bleu de travail et cotte hein, de travail également. Donc ici il n'y a pas de chapeau à ma connaissance. Mais quelques bérets et une casquette. Et ce qui est aussi par rapport à ce que je disais sur sur les photos précédentes, c'est là, on ne sourit pas beaucoup, quoi. Il y en a quelques-uns, hein, mais voilà, ça, c'est quand même une photographie hein, voilà, qui montre une situation assez sérieuse. Excusez-moi, c'est juste une question, vous ne donnez pas les dates de ces images, c'est parce que vous ne les avez pas. Là, c'est 40, début 40, hein, 41, 42, voilà. Pour les autres, j'ai pas noté. On les a pas, je crois. Dernière photo retenue pour ce premier point sur l'entreprise, un peu du point de vue de l'institution. Une photographie donc qui alors nous fait penser, enfin nous a fait penser un peu aussi à une photographie de classe, hein, voilà, un peu de mariage, voilà. Alors moi j'ai peut-être un peu exagéré, mais je me suis dit, on dirait, ça fait un peu une image de communion aussi, hein, donc avec en haut, voilà, le portrait des bienfaiteurs. Hein. Alors cette photographie, elle est aussi assez particulière puisqu'il s'agit d'une photographie prise lors du banquet hein, offert aux médaillés du travail. Donc il y a aussi la solennité hein, qui est présente ici. C'est un moment important qu'il faut valoriser, hein. J'allais dire au même titre que la médaille et le diplôme, quoi. Qui l'accompagne. Hein. Alors moi, je me suis posé la question de savoir s'il y avait eu des photos sur le banquet, par exemple. Bon, éventuellement, on change peut-être de statut hein, du côté du photographe. Voilà. Ça, c'était donc pour l'entreprise, enfin, ce premier niveau de lecture sur les photographies de l'entreprise comme institution. Ensuite, on s'est plutôt intéressé à des photographies qui représentent les lieux, hein, les bâtiments et puis aussi les machines. Voilà, en se disant que voilà, s'il y avait des photographies, c'est aussi que ces lieux et ces machines, ils étaient dignes d'intérêt, hein, en tout cas pour prendre une photo. Ici, alors les chantiers, hein, après les bombardements de septembre 1943, et puis on y a associé aussi cette seconde photographie, c'est-à-dire l'entreprise La Nantaise de Fonderie, juste avant sa fermeture en 1980-1981.
alors je reviens sur la précédente, en essayant de trouver aussi un fil conducteur. Hein. Donc je disais, voilà, ce sont des lieux qui sont jugés hein, dignes, donc on les prend en photo, mais je me suis aussi dit que la présence de ces photographies correspondait en fin de compte à deux temps où justement ces espaces sont en situation de grande fragilité, c'est-à-dire, voilà, là c'est après les bombardements, ici c'est juste avant la fermeture. Comme s'il y avait peut-être aussi, dans le fait que ces photographies existent, qu'elles soient conservées, la volonté aussi peut-être, hein, de garder des traces de ces lieux hein, qui se trouvent donc être détruits, ou en tout cas en passe d'être fermés. Voilà. Donc ça, c'était plutôt pour les lieux, hein, les espaces de travail. Et puis, donc, on a réfléchi aussi à cette question déjà évoquée tout à l'heure par Marc, des photographies des machines, de la technique, de la technologie. Hein. Tout ça, c'est aussi quelque chose qui est très présent hein, dans les photographies. Et donc, alors voilà, on en a sélectionné... quelques-unes, alors ça c'est sûrement parce que je suis une fille de cheminot aussi et donc je ne peux pas m'en empêcher, mais voilà, on a ici bon, la machine à vapeur, le gigantisme aussi hein, de la machine. Alors en même temps, bon voilà, on a essayé d'interpréter un petit peu, je me suis dit bon bah là on a peut-être affaire effectivement aux mécaniciens et puis aux chauffeurs de la locomotive et l'attitude en tout cas d'un des deux, le bras posé sur le devant de la machine, voilà, c'est aussi une sorte de familiarité peut-être et d'intimité je dirais hein, avec l'outil hein. Et alors ensuite on a plutôt ici donc le cas hein, fort quand même d'une présence de photos qui montrent des objets ou des machines qui ont marqué l'histoire du travail avant de disparaître, donc avec à gauche, alors c'est monsieur Chédin, voilà, à gauche donc une trieuse, donc milieu des années 50, 1955, et la photo à droite une tabulatrice en révision. Alors, je précise qu'il s'agit de la mécanographie à carte perforée, dans laquelle j'ai vécu de 1949 à 1969, c'est-à-dire pendant 20 ans. Et donc, c'est une technique, peut-être que certains d'entre vous l'ont connue, mais moi, je l'ai pratiquée pendant 20 ans. Donc, vous avez à gauche, ça s'est passé pendant mon service militaire à Nancy, et puis à droite, ça s'est passé à l'EDF, rue de Strasbourg, dans les années 1950. Vous avez là un monsieur qui est un mécanicien de chez IBM, qui est en train de entretenir une machine qui s'appelle une tabulatrice, et de l'autre côté, la trieuse, avec un camarade, nous étions ensemble au service militaire à Nancy. Voilà. Et si des gens veulent des détails sur cette période, je suis tout à fait dans l'expression, je suis encore très passionné dans cette période. Tout Merci. À fait. Donc, voilà. Alors, de temps en temps aussi, on peut trouver des photographies où, en fin de compte, la présence humaine disparaît complètement. Hein. Donc là, c'est le cas de ces photographies qui ont été confiées par Nicolas Ferniaud, et qui présente en fin de compte les différentes étapes hein, dans la construction de plaisance, donc c'est des bateaux de plaisance, des bateaux de plaisance au chantier Audin à Rezé. Hein. Aubin. C'est pas grave. Donc voilà. Donc nous, ça nous a semblé intéressant aussi et je pense que c'est quelque chose qu'on peut effectivement
étayer aussi en remobilisant des clichés des autres fonds du CHT. Voilà. Et puis celle-ci, on l'aime beaucoup avec Marc. Enfin, on les aime toutes, hein, mais on l'aime encore plus. Voilà. Là, c'est une photographie d'une équipe de chaudronniers, donc Brissonneau-Lotz, hein, qui, entre autres, avait un de ses sites dans le quartier de Doulon. Et en fin de compte, il y a toute une série de photographies qui ont été prises lors d'un déplacement à Bordeaux, hein, comme si aussi le fait de se déplacer sur un chantier ailleurs que son lieu habituel de travail permettait peut-être davantage aussi de faire des photographies. Hein. 1931. 1931, voilà. Et quand je dis qu'on l'apprécie, c'est parce que on y trouve aussi l'occasion de représenter l'agilité, quoi. Hein, voilà. C'est plus l'agilité encore que la force, hein, qui est présente sur cette photographie. Enfin, c'est vraiment des équilibristes, hein, les deux qui sont à gauche, tout en haut du voilà. Hein. Et comme les équilibristes, voilà, ils sont obligés de maintenir l'équilibre en mettant les mains sur les hanches. Hein. J'allais dire, c'est pas forcément une attitude pour s'imposer, c'est une simple question d'équilibre, probablement. Hein. Mais en tout cas, on y voit vraiment une maîtrise du geste et de la posture, hein, assez intéressante. Hein, alors on se dit, oui, c'est aussi mis en scène. Hein, voilà, donc il y a les deux propos, hein, les deux propos possibles. Troisième fil un peu qu'on a déroulé aussi, c'est l'équipe de travail comme groupe de copains. Et c'est vrai que, j'allais dire, c'est quand même majoritairement les photographies qu'on trouve aussi, hein, dans les dépôts qui ont été faits. Et donc, c'est la représentation de l'équipe de travail, mais c'est surtout aussi les copains. Alors, on retrouve toujours la même équipe, là, hein, à Bordeaux. Alors, moi, je les trouve assez... enfin, ils sont assez forts quand même dans la mise en scène, je trouve. Hein. Celle en gauche, là, à gauche, pardon, avec, donc, ils sont assis, mais voilà, la posture, je veux dire, c'est... On est posé, on se montre aussi. Hein. Et là, on ne se montre pas du tout dans une activité, dans une gestuelle de travail, mais voilà, on se pose comme étant quand même une équipe, hein, de copains ou de gens qui travaillent ensemble. Et puis, celle de droite, toujours, on est toujours sur le même... groupe, où en la regardant, donc ils sont en train de faire un peu une pyramide humaine, quoi, hein. Et pour moi qui ai travaillé un peu sur les centres d'apprentissage à la SNCF, ça, j'en ai croisé des photos comme celle-ci, mais plutôt lors d'exercices sportifs, hein, d'apprentis, où on leur faisait faire comme ça une chaîne, une pyramide humaine, et là ils se marrent, quoi, hein, je veux dire, ils sont contents de leur coup, voilà, hein. Et ils se montrent vraiment plus comme des, effectivement des copains, hein, qui passent un moment ensemble, quoi, aussi. C'est ça ce qui est intéressant. Hein. Alors voilà, hein, donc on en a fait une petite série. Hein. Voilà, donc ils se tiennent aussi par le cou, hein, voilà, on fume, voilà, on sourit. Celle-ci encore, elle est un petit peu plus solennelle, donc des groupes un peu plus imposants. Et puis cette dernière photographie, où en fin de compte, c'est toujours le groupe de copains, mais voilà, qui plaisante, hein, qui plaisante, donc avec celui qui se trouve tout en haut. Qui non seulement détourne un peu la photographie, voilà, derrière la tête des copains, mais tire la langue aussi. Hein. Alors, on ne sait toujours pas qui, mais voilà. Et puis, au milieu, hein, il y a donc une ardoise avec l'inscription
les Bretons quelque part en France. Hein. Donc il y a aussi une forme d'identification peut-être du groupe hein, autour... On connaît la date ? Ni date ni lieu. Ni date ni lieu. C'est un des problèmes de cette photo. On ne sait pas. Manifestement, ce n'est pas, pas du tout dans la région. Oui, c'est ça aussi, parce que derrière, on voit un peu un relief, un peu. Ouais. Voilà, et puis, de l'eau, quoi. Donc, voilà. Autre fil aussi que l'on a tiré, c'est, et ça Marc l'a évoqué aussi tout à l'heure, c'est l'envie de créer un effet d'origine et de filiation. C'est-à-dire à un moment donné où en fin de compte ces photos de travailleurs et de lieux fonctionnent un peu comme des albums et comme des albums de famille. Hein, voilà. Même si tout cela est réduit hein, à quelques clichés, il n'empêche que voilà, dans la manière dont ils sont, dont ces clichés sont présentés, il y a vraiment cette volonté de donner en quelque sorte une vision hein, des situations familiales hein, antérieures. Donc ici en haut à gauche, c'est un don aussi féminin. Voilà, c'est ce que tu soulignais tout à l'heure. En haut à gauche, donc, le beau-père. Hein, alors, Marc, là, c'est toi qui étais peut-être plus... Voilà, c'est pas grave, on va s'en sortir. C'est le beau-père qui était, qui travaillait aux ACL, voilà, c'est ça. Alors, cette photographie, moi, elle m'a fait penser aussi à celle qui était présente sur, je crois que c'est la première édition, du travail de Martine Sonnet, Atelier 62, son père, hein. Sortie de... Ça m'a fait penser spontanément à ça. Donc, en bas, le père hein, donc de Madame Le Gall, qui, lui, travaillait dans une entreprise de fourniture de charbon. Et puis, en haut, à droite, son mari, apprenti serrurier au centre d'apprentissage de Cambronne. Hein, voilà. Donc, on a ici trois photographies qui représentent effectivement cette histoire hein, familiale on a retrouvé hein, effectivement dans un autre don de femme deux photographies, enfin trois parce que tout à l'heure à Bordeaux c'était son mari. Ici le beau-père en haut à gauche, ouvrier. Non, j'ai confondu là. Oui, l'arrière-grand-père, pardon, qui travaillait dans une entreprise de bois. De bois, c'est ça, à Talensac, rue Paul Bellamy. Et de l'autre côté, l'autre arrière-grand-père, qui lui était marin-pêcheur à la Turballe, hein, patron pêcheur, et voilà, qui pêchait la sardine. Et enfin, pour terminer, dernier fil aussi évoqué tout à l'heure, c'est la différence entre les photos d'avant les années 60 et celles d'une période un peu plus récente, avec effectivement un nombre de photographies un peu plus limité. Donc, ce qu'on peut en dire, c'est que dans la période la plus récente, la pose a presque disparu. Enfin, on a quand même davantage l'impression de trouver... des photographies avec une gestuelle professionnelle. C'est le cas donc sur la photographie en haut à gauche, qui est celle déjà évoquée, c'est-à-dire l'entreprise Mingui. Et puis, ici aussi, deux photographies du poste d'aiguilleur à Clisson, à la gare de Clisson. Hein. Donc là aussi, on l'a retenu parce que bah, voilà, c'est aussi une présence féminine. Et puis, ça montre aussi hein, l'espace de travail avec la présence de l'ensemble des écrans hein, qui régule effectivement le trafic ferroviaire. Et puis, pour terminer cette courte présentation, deux photographies aussi. Alors, celle toujours de Patrice Alain.
représente un repas dans le local syndical, alors probablement au moment d'un mouvement, hein, et donc avec la présence familiale aussi. Hein, et puis celle d'en dessous, c'est aussi sur un chantier hein, de l'entreprise Mingui. Et en fin de compte, en la regardant comme ça, on pourrait penser qu'ils sont en train de boire un coup. Je veux dire les choses très clairement. Pas du tout. Ils sont en train de regarder des diapositives. Et la question qu'on se pose, c'est mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien regarder comme photographie ? Ça marche toujours. Hein. Pour terminer cette présentation, peut-être dire quelques mots un peu de la réflexion qui a été la nôtre sur ce qu'on ne voyait pas sur ces photos. Et si, ce qui nous avait non pas manqué, mais voilà, ce qui nous semblait être absent. On n'en proposera pas une liste complète, mais quelques idées qu'on soumet à la discussion, bien entendu. Première idée, mais là encore, Xavier l'avait évoqué tout à l'heure, on n'a que des hommes, d'accord ? À l'exception des secrétaires qui figurent sur la photo de groupe de l'entreprise Blouin tout à l'heure, il n'y a pas de femmes au travail ici. Alors, ça s'explique en grande partie par les secteurs d'activité concernés que j'ai mentionnés tout à l'heure. Mais voilà, on n'a pas de photos de lieux de travail et de situations de travail avec des femmes. Deuxième remarque, alors peut-être à l'exception de M. Chédin qui est intervenu tout à l'heure et de l'entreprise dans laquelle il travaillait, le travail en tant que tel est relativement absent de ces documents en réalité. La photo fixe des groupes de travailleurs, des lieux de travail, mais quasiment jamais des gestes de travail. Chose qu'on trouve par exemple dans les images de François Collard, qui avait réalisé un ensemble de photos au milieu des années 30, ça s'appelle « La France travaille », le livre qui reprend une partie de ces photos est ici. On trouve également un certain nombre de clichés allant dans ce sens dans le livre, les photos qui vont être mises dans le livre, autour du travail d'Hélène Cailleux, correspondante de West France, etc. Dans les photos qui figurent dans ce corpus, on ne trouve pas, ou très peu, de photos de travailleurs travaillant, d'une certaine manière. Alors, c'est peut-être un refus des employeurs, c'est peut-être un refus également des travailleurs, qui, par pudeur, par crainte d'y révéler des attitudes contraires aux consignes des patrons. Bref, elles n'y sont pas. Pour l'histoire du travail, c'est un peu ennuyeux, mais c'est ainsi. Il est difficile également de déduire des photos que nous avons récupérées la question de la présence de la hiérarchie. Alors là encore, on voit un peu la présence de celle-ci dans les photos et donc dans la distribution des différentes catégories sur ces photos, mais sinon, il est difficile de connaître les fonctions des uns et des autres dans l'entreprise, d'une part, et la façon également dont se manifeste la question de l'autorité au travail. Enfin, et ça renvoie à une intervention dans la salle tout à l'heure, il n'est pas toujours aisé d'identifier avec précision les lieux et les dates de ces photographies, en dépit des efforts de Xavier Nerrière, et pour obtenir que les légendes soient le plus précises possible, de sorte que une partie de ces photos ont du mal à accéder au statut de document, au sens de document faisant preuve, même si on sait qu'avec la photographie, on peut effacer des choses, etc. Mais voilà. Nous terminerons rapidement avec quelques remarques sur une petite recherche complémentaire que nous avons faite. On a été un peu frustrés, Fabienne et moi, de ne pas disposer de davantage de photographies, mais c'était le cadre de cette enquête, et donc on a sollicité Xavier Nerrière pour qu'il nous procure une copie des fonds qui sont disponibles au CHT et qui sont identifiés sous l'étiquette « auto-représentation ». Donc on a fait ça la semaine dernière, il nous en a identifié une trentaine, peut-être un peu plus, entre 30 et 40. Et Fabienne et moi avons fait le travail de regarder tout ça. Et cette comparaison des deux corpus était instructive, intéressante. En gros, c'est, même si notre échantillon était petit, on retrouve une partie des choses dans un échantillon un peu plus grand, même si lui-même reste relativement limité au regard de l'ensemble des photos dont dispose le CHT. Pour le dire autrement, dans ces autres photos, les secteurs de la métallurgie, de la navale, etc. sont très très importants. Dans les autres fonds, dans les autres corpus déposés par d'autres militants, les femmes occupent encore une place tout à fait marginale, sauf dans les secteurs du maraîchage. Il y a quelques photos, l'agriculture, un peu la couture. J'oublie quelque chose ? Non. Non. De la même manière, dans les autres fonds, il y a relativement peu de photos, même si elles sont un peu plus nombreuses, de la période postérieure aux années 70. C'est pas ce qu'on trouve le plus, c'est plutôt des photos antérieures avec des fonds parfois tout à fait conséquents, je pense notamment
aux photos prises à la manufacture des tabacs. Ça a donné lieu à, sans doute à un ouvrage à l'époque, je crois que c'est 1927, je dis ça de mémoire, et sous le contrôle de Xavier. Enfin, on a essayé, mais là on a fait ça encore plus rapidement que le reste, et sans doute que là la parole reviendra aux spécialistes de la photo et à ceux qui connaissent peut-être mieux que nous cette pratique. La comparaison entre les photos de ce corpus et les photos de Collard montre que l'approche est quand même différente. Elle est différente. Pour autant que j'ai pu en juger à partir des photos de ce livre, il m'a semblé que Collard, en tout cas dans ce travail des années 30, il photographiait beaucoup le cadre, et en particulier le gigantisme des lieux de travail, des machines, enfin, etc. Et que quand il saisissait des travailleurs, c'était souvent au moyen de portraits, beaucoup plus que comme membre d'un collectif. Il m'a semblé que c'était une distinction relativement évidente qu'on pouvait faire entre les photos de Collard et les photos qui figurent dans ce corpus. Mais les photos d'Hélène Cailleux sont différentes de ce point de vue. Elle, à l'inverse, elle a le souci de montrer des travailleuses à leur poste de travail, ensemble. Voilà, merci de votre attention.